coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre devant le tour. Peut-être. Oui, je vais attendre. Je regarde bien avec ce douleur. Avec l'attaque d'Antichlec là, c'est Dybali le premier à sauter dans sa roue. Franck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. Aujourd'hui, émission un petit peu particulière puisque j'ai la chance d'avoir avec moi un invité. On va passer environ une heure avec Félix Pouli. Salut Félix. Salut Charles. Alors salut à tous sur le chat. Je vois que Acontador nous a rejoint, Monsieur Zorgloub et Eric. Comme d'habitude les gars, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. J'en profite aussi pour remercier ceux qui l'ont fait sur le Discord. Bienvenue à Antoine aussi, merci pour le follow. Donc pour présenter un petit peu le truc, on va séparer l'émission en deux parties. Une tout d'abord sur l'actualité, j'ai envie de dire un petit peu les sujets de fond, et ensuite on parlera un petit peu plus de Félix, de sa carrière, de ce qu'il fait désormais, etc. Salut à Matt aussi, tiens, qui nous rejoint à l'instant. Donc ouais, Félix, on s'était dit qu'on pouvait peut-être commencer justement par les sujets d'actualité. Et je t'avais dit aussi que je voulais faire une petite parenthèse, on va peut-être commencer par ça, sur les réseaux sociaux, parce que parfois les gens sont un peu violents. Je sais que toi, tu as été parfois victime un peu de personnes qui chassent un petit peu en meute et sans stigmatiser qui que ce soit. On se dit que ça pouvait peut-être être pas mal d'expliquer que y a des vraies personnes en face parfois et que c'est pas forcément toujours très plaisant quoi. Ouais, c'est vrai que dans la communauté vélo de Twitter, il y avait un petit groupe qui était un peu sur mon dos. Ça avait commencé en 2021 pendant le Tour, quand Pogacar avait écrasé le Tour, et sur Twitter c'est vrai que c'était forcément beaucoup de suspicions, etc. Et moi j'avais juste essayé de donner des arguments pour dire que voilà, c'était un mec qui sortait pas de nulle part, qu'il avait une progression quand même à mon sens à ce moment-là entre guillemets logique, c'est-à-dire que l'année d'avant il avait gagné alors qu'il a été très jeune, donc l'année d'après c'était pas illogique de le voir encore plus fort, etc. C'était parti de ça, et après ouais, ça a continué un peu pendant jusqu'à ce que je les bloque quoi. Ils s'amusaient entre eux à reprendre des trucs que je disais, ou alors même parfois sans que je dise trop rien à parler de moi quoi. Mais après c'est pas quelque chose qui m'a, enfin ça m'a jamais non plus trop perturbé, mais à un moment ça me gonflait un peu, donc je me suis dit bon, je vais bloquer tout le monde, comme ça je serai tranquille. C'est vrai que depuis je suis plus tranquille, mais ouais, c'est vrai que bon, je pense que c'est pas spécifique au vélo, mais Twitter, c'est, il y a du bon sur Twitter, mais ouais, c'est vrai qu'il y a des gens après, pour avoir un peu fait le tour des profils de ces gens-là, c'est vrai qu'on voit que c'est des gens qui sont beaucoup en permanence. Ils ont tendance à redire sur tout et sur tout le monde. Donc, je le prenais pas personnellement. Mais il y a des gens assez toxiques, ouais. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a certaines personnes que ça peut peut-être plus atteindre que d'autres. Mais moi, c'est vrai qu'à un moment, pourtant, j'ai pas tendance à me laisser trop embêter par ce genre de choses. À un moment l'an dernier, ça me gonflait vraiment quoi. C'était un peu trop. Du coup, j'avais tout bloqué. Ouais, parce que c'est vrai qu'on va pas faire non plus l'émission là-dessus, mais c'est vrai que c'est important de le dire parfois, parce que même si on se dit blindé, Félix, c'est vrai que parfois il y en a toujours un qui va t'agacer plus que l'autre. Enfin, ah oui, c'est énervant. Hein. C'est énervant, c'est clair. Et après je me souviens, ça me faisait rire parce que les mecs, du coup, à un moment, ils mettaient régulièrement des trucs, tout ça. Puis en mettant ton nom en toutes lettres, parce que tu sais, nous on n'a pas de pseudo, toi comme moi. Et du coup, il me reprochait d'aller. Il disait, ah, le mec, il cherche son nom. Et en mode, il mettait un truc sur moi et je le voyais deux jours après, parce que souvent, c'est même pas moi qui le trouvais, on me l'envoyait. Et il disait, ah, il cherche son nom, tout ça. Donc, il se fout de ta gueule en mode, ah, tu cherches ce qu'on dit sur toi. Mais en fait, c'est humain, tu vois. Quand tu sais que t'as des mecs qui, tous les trois jours, vont dire des saloperies sur toi, tout ça, c'est humain d'aller voir, tu vois. Sauf quand t'es. Si t'es Mbappé ou je sais pas quoi, où t'en as 3000 par jour, là tu t'en fous parce que t'es au-dessus de ça, tu vois. Mais quand t'es personne entre guillemets, et que c'est que 5-6 personnes qui mettent des trucs,
bah, c'est normal que tu as envie d'aller voir, tu vois. Mais ouais, bon, c'est pas des mecs très intéressants de toute façon. Ouais, voilà, donc juste pour dire, essayer de penser quand même qu'il y a des vraies personnes face à ça, qu'on peut tous être atteints à des degrés différents, et qu'un petit peu de bienveillance de temps à autre, ça fait pas de mal. Je voulais aussi parler de ça parce que ça me permet une transition, Félix, vers un sujet d'actualité. Tu parlais de Pogacar, et effectivement, tu faisais partie de ceux qui croyaient vraiment beaucoup aux performances auxquelles on assistait. Tu as eu un changement, j'ai l'impression, une évolution dans ton avis et dans ton analyse par rapport à ça récemment. Ça date d'un peu avant l'été. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu ce qui t'a amené à changer ton cheminement? Moi j'ai toujours été c'est ce qui m'était reproché d'ailleurs pendant longtemps, c'est que j'étais un peu l'avocat du diable pendant longtemps en regardant le vélo, c'est-à-dire que j'ai essayé de tout t'expliquer, enfin c'est pas je vais pas l'expliquer aux autres forcément, mais moi je m'expliquais les choses, je me disais bah voilà, il y a des mecs qui ont le droit d'avoir du talent, il y a des mecs qui ont le droit d'avoir beaucoup plus de talent que les autres. Moi, je l'ai constaté moi-même, hein, peut-être on en reparlera après, mais dans la petite carrière que j'ai fait, j'ai constaté à quel point certains mecs pouvaient être plus doués que toi ou qu'un autre. Et donc, voilà, je me disais, bon, ce mec-là, il a le droit d'être exceptionnel. Et après tout, on l'a vu venir quand même, quoi. Depuis qu'il est espoir, il est exceptionnel. Et en l'occurrence, Pogacar, même cette année, c'est dur d'être objectif parce que c'est un coureur que j'apprécie, c'est un personnage que j'apprécie, mais c'est pas celui qui me choque le plus. Mais c'est vrai que cette année, sa saison, oui, forcément, ça m'a fait un peu. Je vais commencer à me dire, waouh, Tour des Flandres. Quand c'est le Tour des Flandres, quand il a lâché Van der Poel, je me suis dit, waouh, quand même, là, c'est vraiment fort, quoi. Et je me suis dit, il a un niveau, ouais, j'aurais quand même pas imaginé ça il y a encore 2 ans, même quand il gagnait son tour 2021 en écrasant tout ça, j'imaginais quand même pas ça. Mais ce qui m'a le plus choqué cette année, oui, c'est, bah, de toute façon, j'en ai déjà parlé, c'est le bond de performance en 2 ans, 3 ans de Vingegaard. Ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus choqué cette année. C'est la seule chose, je pense, qui m'a vraiment où je me suis dit, ça, j'arrive pas à y croire. C'est la première fois depuis des années, en regardant du vélo, que je me suis dit, ouais, là, ouais, mal à l'aise, c'est ça. Et voilà, il y a l'histoire du col de Jouplan, où là, du coup, c'est vrai que j'ai associé Pogacar avec, parce que pour le coup, ils avaient le même niveau les deux. Et où, en regardant des segments Strava, tout ça, on voit que les mecs, dans des portions assez longues de quasiment 10 minutes d'effort, ça monte 5-6 km/h plus vite que certains mecs du top 10. Quoi. Quand tu as fait du vélo, que tu en fais encore, tu n'as pas besoin d'en faire à un très gros niveau pour savoir ce que c'est 5 km/h dans un col. Tu te dis, mais à ce moment-là de la course, ils sont vraiment. C'est un autre monde. Il y a autant d'écart entre eux deux et Godu et Pidcock. Qu'entre Godu et Pidcock et moi à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est hallucinant, quoi, tu vois. Et ouais, il y a ce jour-là, j'ai commencé à être mal à l'aise sur le tour. Et après, il y a eu ce chrono de folie. Et paradoxalement, c'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que le tour, c'est quand même une petite fenêtre à part dans la saison de vélo. C'est que le reste de l'année, je vais pas dire que je m'ébahis devant tout, mais il y a rien d'aussi choquant. La Vuelta, même si c'était énervant de voir 3 coureurs de la même équipe dominer, on était à des années-lumière de ce qu'on a vu sur le Tour. Tu vois, le Giro, même si c'est Roglic qui gagne le Giro, Roglic, j'ai rien à dire sur son Giro, il m'a pas choqué du tout. Il est à son niveau qu'on a connu depuis X années. Tu vois, c'est vraiment le Tour où t'as l'impression que que c'est le plus difficile à croire, quoi, qu'il y a des performances vraiment hallucinantes, quoi, tu vois. Et c'est vrai que si tu répètes dans le temps, par exemple, la dernière fois qu'il y a eu cette impression là, je pense, aussi forte sur le tour, c'est quand Pogacar a gagné son chrono à la planche des belles filles. Et tu vois, c'est des trucs comme ça, quoi, tu vois. C'est, j'ai l'impression que c'est vraiment sur le tour que, et c'est, ça s'explique aussi, hein, par le fait que c'est la plus grande course du monde, donc forcément si tu as des risques à prendre à un certain niveau, c'est là-bas que tu vas les prendre. Hein. C'est pas pour du Poitou-Charentes, tu vois.
Mais ouais, le reste de l'année m'a pas spécialement gêné, mais sur le tour, ouais, j'étais un peu écœuré pour la première fois depuis très très longtemps. Bah depuis pour la première fois depuis jamais, je pense, parce que même les années Froome et tout, j'étais pas trop dans ce délire-là de suspecter ou quoi, même si avec le recul, il y a des trucs assez hallucinants. Mais c'est la première fois depuis longtemps, ouais, que j'ai été mal à l'aise devant du vélo. Ouais, puis c'est vrai qu'on en avait parlé un petit peu ensemble en privé, et on regardait ses pairs, Félix, je sais pas si tu te souviens de cette discussion-là, sur les chronos notamment, où tu m'avais ressorti des chronos de 2020 ou 2019 de Vingegaard, ou sur les chronos du Danemark notamment, où il se faisait taper par tout le monde, quoi. Bah oui, c'est ça que j'explique pas. En fait, après, on va me dire que parce que c'est comment que les coureurs que j'aime bien, j'ai pas cette suspicion, etc. Parce que forcément, il y a des coureurs que j'aime bien qui sortent aussi des trucs stratosphériques parfois. Bah Remco, le premier. Mais entre guillemets, ça sort pas de nulle part. Tu vois, comme je te disais, des mecs méga talentueux, j'en ai connu. À commencer par Mathieu Van Der Poel, tu vois, avec qui, enfin que je côtoie en gros depuis les cadets et qui était mais hallucinant depuis les cadets, tu vois, il était monstrueux ce mec-là et en fait la carrière qu'il a, t'aurais, c'est dur à prédire, mais du moins en cyclocross, t'aurais pu la prédire parce qu'en cyclocross c'était hallucinant ce qu'il faisait et tout ce qu'il a fait ensuite a été dans la continuité de ce qu'il a fait chez les jeunes. Remco, pareil. Pogacar, plus ou moins pareil, encore que Oui, parce que Pogacar Remco, en. quand tu vois Innsbruck, tu comprends qu'il y a un truc. Tu te dis, il est Ah, largué, il c'est ça, rattrape tu tout le vois. monde, il relargue tout le monde. Enfin. Non, mais toute l'année, c'était fou. Et bah, je crois que c'est un sujet sur lequel on reviendra après, mais c'est aussi qui fait que c'est un coureur que j'apprécie, parce qu'en fait, je le suivais beaucoup en junior, parce que qui faisait en junior, quand tu as fait les saisons juniors à un bon niveau, que tu as fait les Coupes du Monde, ça, bah, tu peux pas t'imaginer qu'un mec un jour soit capable de faire ce qu'il faisait en junior. Et c'est ça en fait qui m'a donné envie de le suivre. En fait, tous les week-ends quand il était junior, j'avais hâte de regarder son résultat, quoi, parce que ça me faisait halluciner. Et je me disais, putain, mais ce mec-là, c'est le nouveau Merckx, quoi. C'est le prodige du vélo. On n'a jamais vu ça, on ne verra plus jamais ça, quoi. Et chez les juniors, c'est le cas. C'est-à-dire que ce qu'il a fait en junior, c'était du jamais vu. Et je pense qu'on ne reverra plus jamais. C'est impossible, enfin, ou alors dans très très longtemps. Du coup, ça s'explique. Ça s'explique. Pour moi, ça s'explique. Par contre, un mec qui, ouais, à 23 ans, se prend 4 minutes au championnat du Danemark de chrono et 3 ans après, bah, met 3 minutes au troisième du chrono du tour, même si c'est un chrono dur, tu te dis entre deux, il y a des choses qui se sont passées. Soit il s'entraînait pas avant. Soit je comprends rien au vélo, quoi, parce que le gain de performance brute, il est monstrueux. Et normalement, un corps humain normalement constitué, qui est entraîné de manière. Enfin voilà, même si en espoir, il s'entraînait que 10 heures par semaine, je vais te dire une connerie, que maintenant il s'entraîne 30 heures. Bah, pour moi, je n'arrive pas à expliquer que tu passes d'un tel extrême à l'autre, quoi. Même si je veux bien qu'il avait un potentiel, tout ça, en fait, hein, mais. Un potentiel pour faire podium du tour, top 10 du tour, tu peux jamais savoir. Mais pas pour faire la performance du siècle, en fait, parce que c'est ce qui s'est passé ce jour-là. C'est ça, c'est les écarts, la perf brute qui était, ouais, c'est pour moi, c'est la perf du siècle, quoi, tu vois. Mais comment t'expliques ça, du coup, Félix? Après, on ne peut pas forcément accuser qui que ce soit, parce qu'on n'a pas de preuves, mais c'est quoi ton intuition par rapport à tout ça, quoi? Franchement, c'est super dur à dire. C'est je l'explique pas, en fait. Puis il y Je a forcément l'explique une pas. explication, que ça soit autorisé ou pas, enfin, c'est pas possible, quoi. Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je pense que même eux, ce jour-là, ils s'attendaient peut-être pas à ce que ce soit autant d'écart. Et parce qu'après, ils étaient dans les explications. Ils essayaient de, comment dire, de minimiser. Il nous a montré des vidéos où il prend des virages plus vite, etc. Mais 4 virages sur un chrono, c'est 1 seconde par virage, quoi. Tu vois, c'est pas 1 minute 30 à l'arrivée et 3 minutes sur Van Aert. Après, ils nous ont expliqué que
J'ai beaucoup travaillé la position de contre-la-montre, qui ne perdait pas de watts en position, etc. Oui, ouais, d'accord, tu vois, enfin, ok. Les autres aussi, quoi. Je sais pas, franchement, je n'arrive pas à l'expliquer. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à faire un tel écart ce jour-là. Et que du coup, s'ils avaient pu s'éviter cette polémique, parce qu'il aurait gagné que 30 secondes sur Pogacar, et Pogacar serait effondré le lendemain, comme il l'a fait, ou sur le lendemain, je ne sais plus, non, le lendemain, dans le col de la Loz. Bon, ça aurait pas choqué parce qu'on serait dit, bon, il était un peu plus fort au chrono, et le lendemain, c'est Pogacar qui s'effondre, c'est pas Vingegaard qui est monstrueux. Mais là, ce jour-là, ouais, c'était... Ouais, parce qu'en plus, Pogacar, il fait un bon chrono. Lui, il met une pilule aussi aux autres derrière. Quoi. C'est pas juste Vingegaard qui surperforme et Pogacar qui finit avec les autres. Quoi. Non, bien sûr. Et pareil, j'avais hâte du coup de voir le chrono de la Vuelta, même si c'était un chrono tout plat. Au chrono du Tour, ça roulait vite quand même jusqu'au deuxième intermédiaire, jusqu'au pied de la bosse, où il était très en avance sur tout le monde. Et à la Vuelta, il est retourné à son niveau du Dauphiné, mais même un petit peu moins bien, mais ce qui est logique, parce qu'au Dauphiné, c'est logique qu'il soit mieux qu'à la Vuelta, parce que ça arrive avant le Tour de France, ça. Mais tu vois, même au Dauphiné, un mois avant le chrono du Tour, il fait deuxième derrière Mikkel Bjerg. Il fait un bon chrono, hein, Vingegaard, mais il fait deuxième. Bon, ça se joue à coup de seconde avec des coureurs derrière, des coureurs pas non plus des machines de guerre au chrono, tu vois. Je crois que tu avais Ben O'Connor qui avait fait une poignée de secondes derrière, enfin, sur 40 minutes d'effort, tu vois. Enfin, il n'y a pas de raison, en fait. Tu vois, il n'y a pas de raison de passer d'être à un coureur qui joue à la grosse louche entre le top 15 et le top 2 d'un chrono World Tour, parce qu'il n'avait jamais fait mieux que ça, à faire le chrono du siècle sur un jour comme ça, tu vois. Enfin, ça me fait chier de reparler de ça, parce qu'il y a longtemps que j'en ai pas reparlé, puis au final, c'est passé, on s'en fout, quoi, mais c'est... Ouais, franchement, je l'explique pas. Ouais, bah on va se laisser ça de côté jusqu'à la prochaine saison. Du coup, il y a d'autres sujets d'actualité, enfin d'actualité, je ne sais pas si c'est vraiment l'actualité, mais de fond, je pense que c'est ça qui est peut-être intéressant à évoquer plutôt que l'actu pure et dure. J'aimerais bien avoir, Félix, ton point de vue sur les armadas, le vélo à deux vitesses, mais pas forcément par rapport à des pratiques, plus du côté de l'argent. Est-ce que tu vois ça comme une bonne chose, toi, le fait qu'il y ait des équipes qui tirent vers le haut, ou est-ce que tu es plutôt critique par rapport à cette différence, justement, en World Tour entre les différentes formations? Non, ça me gêne pas, dans le sens où... Dans tous les sports, c'est comme ça, et dans tous les sports, c'est normal qu'il y ait une hiérarchie entre les athlètes, d'une part, et du coup, entre les structures qui les entourent. Dans tous les sports où il y a une notion d'équipe, forcément, il y a une différence entre le Real Madrid et le Racing Club de Lens, tu vois. Il y a une différence entre Red Bull et je sais pas qui en Formule 1, tu vois. Donc... Pour moi, c'est une bonne chose qu'il y ait des équipes qui aient de plus en plus des gros budgets, etc. Ça tire, je pense quand même que ça tire tout le monde vers le haut, parce que s'il y a de l'argent dans le vélo, il y a plus de coureurs qui gagneront leur vie, il y aura plus de coureurs qui seront professionnels. Après, c'est sûr que le fossé avec les petites équipes, il se creuse. Enfin, les plus petites équipes. Et ce qui est sûr, c'est que sur les grosses courses du calendrier, c'est toujours les mêmes équipes qui reviennent, qui dominent. Mais ouais, j'ai envie de te dire, c'est l'histoire de tous les sports, en fait. Hein. Et des fois, comment, tu vois, cette année, c'était beaucoup de jumbo. C'est vrai que ça fait quelques années que c'est beaucoup la jumbo. Mais qui te dit que dans 5 ans, la jumbo, elle ne sera pas dépassée aussi. Et que, enfin, voilà, c'est des cycles. Tu vois, la Quick-Step, il y a 4-5 ans, c'était même pas, il y a peut-être 3-4 ans, c'était la meilleure équipe du monde, même pas sur les grands tours, mais sur une saison globale, c'est la meilleure équipe du monde. La Quick-Step, cette année, t'enlevais Evenepoel, c'était triste, quoi. C'était triste, donc... Non, moi, ça me dérange pas, je suis pas donc pour... Tu serais pas vraiment pour des mesures limitatives, un peu style sport US? Non, parce que pour moi,
Ouais, ça, je m'y connais pas du tout en l'NBA, la draft, tout ça, mais de ce que j'ai compris, c'est ça, c'est en gros, t'es le numéro 1 de la draft, en gros, tu vas dans l'équipe la plus pourrie, en gros. Enfin, ça, ouais, ça, en gros, Remco, il se trouvait chez Arkea, par exemple, quoi, c'est... Et bah, je comprends pas du tout le principe derrière ça. Dans un sport dans le vélo, je vois pas comment tu peux l'appliquer. C'est-à-dire que tu vas dire à un junior qui éclate toute l'année, bah, comme tu as tout gagné, comme tu es plus fort que les autres, on va te mettre dans une équipe. Ouais, tu es puni. Donc en fait, ton intérêt, c'est d'être mauvais pour après, d'être moyen pour aller dans une meilleure équipe. Et après, une fois que tu es pro seulement, c'est impossible en fait. Et puis, moi, je suis pas pour le. Comment dire on, En fait, on essaye de trouver une forme d'équité là-dedans, enfin de mettre une forme d'équité pour que ce ne soient pas les mêmes équipes qui dominent. Mais pour moi, le sport, ce n'est pas équitable déjà. Parce que, et ça ne le sera jamais, parce qu'il y aura toujours des mecs capacités à la base. Plus talentueux, plus travailleurs, plus tout en fait. C'est déjà, c'est l'essence même du sport de... Bah qu'il y ait des différences de niveau et qu'il y ait des écarts de niveau. Alors après, c'est sûr que dans un sport comme le vélo, où c'est un mélange de collectif et de force individuelle, c'est un peu spécifique quand même le vélo, quand t'as tous les meilleurs dans une équipe, bah forcément, oui, c'est vrai que c'est d'autant plus facile que... Enfin, comment dire, c'est... Si tu mets Pogacar, Vingegaard et Venepoel dans la même équipe, oui, c'est sûr qu'ils vont gagner le Tour de France. C'est sûr. Mais je vois pas comment tu peux pallier à ça en mettant des règles ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est juste appliqué à l'économie du vélo. Du coup, ça serait ça ton. Ouais, je pense. Parce que même en termes de salaire, en fait, ça veut dire qu'on va brider le salaire d'un coureur. On va dire au meilleur junior sortant, du coup, bah, tu vas aller dans telle équipe, mais du coup, elle pourra pas te payer plus que autant. Alors que, pour moi, ça n'a pas de sens. Il y avait un autre truc que j'ai vu passer qui n'est pas limitatif en termes d'argent, mais c'était par rapport au point UCI. Ce qui forcerait, en gros, les équipiers qui choisissent l'argent à jamais trop jouer leur carte. C'est-à-dire ? Bah, en gros, tu vois, par exemple, tu aurais un maximum de, je dis une connerie, hein, de 5000 points. Enfin, 5000 points, ça ne colle pas par rapport au point des coureurs, mais 5000 points au total par effectif, par exemple, ou 20 000 ou 30 000, peu importe. Mais. Ce qui fait que si tu choisis en gros d'aller chez Jumbo ou UAE pour l'argent, tu peux pas trop jouer ta carte parce que tu es limité par les points, quoi. Ah oui, ouais, après ça, ouais, c'est complexe aussi. Mais il y a même un autre truc que j'ai envie de dire, c'est que Jumbo, c'est même pas l'équipe qui a le plus gros budget déjà. Et pour revenir à l'exemple de Quickstep, qui était avant une équipe qui attirait vraiment beaucoup les coureurs, un peu moins aujourd'hui, mais avant c'était vraiment l'équipe où tout le monde voulait aller parce que tu savais que si tu allais chez Quickstep, tu allais marcher, et puis il y avait cet esprit de groupe qui mettait vachement en avant, où tout le monde avait l'air heureux, etc. Et ben, il y a plein de coureurs qui allaient chez Quickstep ou qui restaient chez Quickstep alors qu'ils pouvaient gagner plus ailleurs. Mais en fait, ils savaient qu'en allant là-bas, ils allaient être plus performants, plus épanouis, qu'ils allaient avoir du bon matériel, des bons coéquipiers, un bon staff, que tout allait bien aller pour eux. Et ça, c'est une vérité. Et ben, au même titre qu'aujourd'hui, je suis sûr, il y a des coureurs qui vont chez Jumbo pour moins d'argent que ce qu'ils pourraient avoir ailleurs. Parce que le coureur, même si l'argent, c'est important, mais déjà, les cyclistes, c'est pas... C'est moins bling-bling que le foot, les cyclistes. Tu vois pas trop de cyclistes s'afficher avec un train de vie de luxe. Donc, entre un mec qui va gagner, je sais pas, 1 million par an et un qui va gagner 2 millions par an, bon, la différence, t'as du mal à la voir chez un cycliste. Et bah, t'as plein de mecs, quoi, qui vont plus choisir pour leur carrière, pour leur ambition sportive. Que pour l'argent, ça j'en suis persuadé. Quand même, Félix, et je le surpaye en France. Ouais, c'est ça. Et au même titre que voilà, du coup, il y a des coureurs qui disaient, bah moi je pouvais aller là-bas pour autant, mais je veux pas y aller parce que je préfère rester là parce que je suis bien. Ça, je l'ai déjà entendu. Donc c'est pas tant l'argent en fait qui fait ce qu'est l'équipe forcément. Si t'as le budget de Roubaix ou si t'as le budget de Ineos, tu vas pas faire la même chose, mais
Mais entre équipes à budget équivalent, c'est pas que l'argent qui va faire que et qui va faire que l'équipe est performante. Du coup, il y a cette notion de une équipe performante va attirer les meilleurs coureurs. Et après, c'est forcément, du coup, c'est un cercle vertueux parce que l'équipe a le bon truc pour rendre ses coureurs performants et elle attire des coureurs, oui, du coup, talentueux qui veulent être encore meilleurs. Et du coup, tu te retrouves avec une domination. Mais toutes les dominations, elles ont, toutes les équipes, elles ont connu leur ère, entre guillemets. On a eu l'ère Sky. Bah, Ineos, c'est Sky. C'est Sky avec autant de moyens, voire plus de moyens qu'avant. Pourtant, Ineos, c'est compliqué sur les grands tours. Ils ont perdu la longueur d'avance qu'ils avaient, voire même, ils en ont une petite de retard sur deux, trois équipes. Je disais Quickstep sur les classiques. Pareil, ils ont... Enfin, cette année, je te dis, t'enlèves Remco, le printemps, il est triste. Voilà, il y a rien qui dure, il y a rien qui dure 20 ans dans le vélo, quoi. Tu vois, c'est des roulements. Et oui, il y a toujours. Oui, comme c'est du sponsoring, forcément, à un moment, ça stoppe quand même. C'est ça. Tiens, j'aimerais bien avoir ton avis, Félix, aussi sur un autre sujet qui a marqué l'actualité ces derniers mois. C'est un peu les transferts. Il y a eu cette histoire de fusion, là, où on ne savait pas trop sur quel pied danser. Maintenant, il y a l'épisode avec Kian Uytvedt qui se fait sortir comme ça au 1er décembre. On verra bien ce que ça donne. Là, on annonce aussi Milesil, champion du monde du 23, qui casse son contrat alors qu'il était engagé jusqu'en 2025 avec DSM qui irait chez Movistar. Est-ce que pour toi, il faudrait changer le système de transfert, faire carrément payer directement les équipes, ou je ne sais pas, mettre des garde-fous? C'est un petit peu flou, on a l'impression qu'on est un peu entre deux eaux, quoi, à ce niveau-là. Ouais, ça a l'air compliqué parce que bah, déjà, on sait que les transferts dans le vélo, ça ne se voyait pas trop. Le seul dont j'ai souvenir, un vrai transfert, c'était à l'époque Bernal, quand il est passé Néo Pro, il était dans une équipe italienne, j'ai plus le nom. Chez Androni, ouais. Androni, ouais. Et il s'était fait racheter du coup par la Sky. Mais voilà, c'était du plus gros du peloton, enfin de la plus grosse plus gros budget du peloton à un petit budget. Donc on va dire que là, ils avaient trouvé leur compte. Mais par contre, entre deux équipes, pour moi, les budgets sont pas assez importants dans le vélo pour se racheter les contrats. Tu vois, la grosse partie d'une masse salariale d'une équipe, ça, c'est le salaire des coureurs, des leaders en l'occurrence. C'est compliqué de débourser pour une équipe de vélo qui a, je sais pas, 20 millions de budget, va racheter le contrat de tel coureur alors que dans deux ans il est libre, quoi. Enfin, pour moi, c'est compliqué de voir ça dans le vélo, mais d'un autre côté, on voit qu'en fait, avec l'agent qui va bien, on arrive à casser les contrats des coureurs. Donc ouais, c'est un peu un nouveau procédé qui commence à arriver, ouais, avec des coureurs qui sont encore sous contrat et qui s'en vont des équipes. Mais j'ai l'impression que dans la plupart des cas, quand même, les deux camps s'y retrouvent la plupart du temps. De toute façon, quand il y a rupture entre l'équipe et le coureur, il n'y a aucun intérêt pour un coureur de rester dans l'équipe et il n'y a aucun intérêt pour l'équipe de payer un coureur qui n'a plus envie d'être là. Donc au final, ces ruptures de contrat, comment, tant que ça reste, voilà, s'il y avait 50 coureurs par an qui ne respectaient pas leur contrat, là je te dirais que c'est un problème. Mais tant que ça reste comme ça, à la marge, un par-ci, par-là, parce que voilà, ça se passe mal dans son équipe. Ça se passe mal dans son équipe, le fil est rompu et du coup, chacun trace sa route dans l'intérêt des deux camps, quoi. Bah, ouais, c'est pas gênant. C'est plus dans le cas où une équipe pourrait être lésée, une équipe qui voudrait conserver son coureur. Et si les agents, tout ça, on trouve des failles dans les... Du coup, tu veux dire plus. Ouais, c'est ça. Ou même, il y a des contrats au long cours dans d'autres équipes où je sais que sur un leader, par exemple, d'une autre équipe qui a le même agent que Uytvedt Brooks, et où j'avais entendu quelqu'un qui disait, bah ouais, il a un contrat jusqu'en 2026, je crois, ou 2025, mais ouais, on a un peu peur avec les histoires en ce moment. En gros, on sait plus ce que ça vaut, quoi. On sait plus à quel point c'est solide. Et bon, c'est des petits trucs comme ça, quoi. Dans un cas comme ça où l'équipe, elle,
bon, voudrait garder son coureur. Il n'y a aucun problème avec le coureur. C'est juste une volonté personnelle du coureur d'aller dans une autre équipe parce que bah, il en a marre de cette équipe-là, mais pour des raisons, pas pour des raisons graves, entre guillemets, comme celle de Uite Brooks, mais comme des raisons, par exemple, d'un Remco qui, lui, voulait partir, d'après ce qu'on entendait, parce que peut-être qu'il sent qu'il perd un peu de temps à Quick-Step dans sa progression sur les grands tours. Bah, entre guillemets, ça, c'est pas une raison valable, parce que bah, il ouais, n'y a pas de vrai problème dans l'équipe, quoi. C'est juste un ressenti du coureur. Si les contrats étaient amenés à être caduques à cause de l'envie juste d'un coureur de partir, ouais, ça c'est un problème par contre. La fusion, t'en as pensé quoi? Bah, je sais pas trop quoi en penser parce que d'un côté, il y a des gens qui me disaient c'est impossible au niveau de l'UCI, etc. Enfin, c'était impossible à faire en fait, que ça pouvait pas se faire. Et d'un autre côté, il y avait plein de signes annonciateurs quand même. Donc j'en pensais trop rien. Je me disais juste que c'est bizarre que bah, dans un premier temps, c'était fusion. On parlait de la fusion Soudal Quick-Step Ineos. Et c'est vrai qu'Ineos ne recrutait pas. Donc je me disais, enfin, je comprenais pas. Après, il y a eu cette histoire de Jumbo. Enfin, franchement, je pense qu'il n'y a que les acteurs principaux qui savent les tenants et les aboutissants parce que cette histoire, elle était vraiment étrange. Moi, j'ai entendu tellement de trucs que vraiment je ne sais vraiment pas quoi en penser. Je n'aurais pas envie de relayer de conneries parce que j'ai entendu des choses et leur total opposé. Donc, Le mythe des droits télé, Félix, qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire, est-ce qu'on, à ton avis, parce qu'on a l'impression qu'il y a une partie des managers, enfin j'ai l'impression qu'il y a une partie des managers du World Tour qui essayent de monter un petit peu les fans contre les organisateurs, entre guillemets, dans le sens où on essaye d'expliquer qu'il y a une espèce de pactole qui retienne par rapport aux droits télé. Est-ce que ça te paraît crédible, toi, de penser qu'il y a de l'argent à se faire sur les droits télé en dehors du Tour de France, bien entendu? J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, hein, mais que... Bah, c'est un espèce de mirage, quoi, et qu'il n'y a pas forcément d'argent à tirer de ce côté-là. Bah, franchement, je vais être transparent avec toi, c'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout, du coup, pareil, je vais pas te dire de conneries. Tout ce que je sais, c'est que le seul organisateur qui fait des profits énormes, c'est ASO. Après... Sinon, tu vois, même pour des courses World Tour, bon, pour les grands tours, je sais pas, mais même pour les courses World Tour hors ASO, je pense pas que les organisateurs se fassent des millions sur le dos des équipes et des coureurs. Hein, je pense qu'ils sont déjà contents quand ils arrivent à organiser leurs courses dans de bonnes conditions et à rentrer dans leurs frais. Donc, franchement, non, je sais pas du tout. Le projet de Super League, une espèce de truc avec des soi-disant investisseurs saoudiens qui concerneraient, je crois que c'était une dizaine d'équipes, c'était pas ça, un truc comme ça, je sais plus trop exactement. Est-ce que tu verrais ça d'un bon oeil ou... Non, pas du tout non plus. Moi, je suis attaché aux traditions. Je veux pas qu'on bouge, je veux pas qu'on touche à mon calendrier, je veux pas qu'on touche à mon système de course. Un peu comme ce qu'ils avaient essayé de faire avec, c'était quoi à l'époque là, les courses Vélone, non c'est pas ça. Les circuits parallèles là. Vélone, ouais c'est ça. Non, c'est pas des trucs que je vois d'un bon oeil du tout. Moi j'aime bien quand ça reste dans la lignée de ce qu'a été le vélo depuis plus ou moins toujours, du moins depuis que je le suis, quoi. Donc, non. Pas fan, surtout quand il y a des histoires de Saoudiens, tout ça, comme dans le foot, là, qui se mettent à acheter des joueurs dans tous les championnats, tout ça, et ils ont tellement d'argent qu'en fait, t'as l'impression qu'ils peuvent... Ouais, ils font ce qu'ils veulent et que du coup, ça fausse l'intérêt sportif. Là, pareil, en foot, on parlait il n'y a pas longtemps. Après, je pense que c'est impossible, mais ils disaient qu'en gros, à terme, ils aimeraient participer à la Champions League.
Bah non, en fait. Enfin, je vois pas le. Mais sauf qu'ils ont tellement d'argent que. Mais j'ai peur que ça soit jamais à l'abri. Sujet, mais j'ai peur que ça soit possible. En plus, c'est ça qui. Bah, ils arrivent bien à organiser des jeux d'hiver, donc. ils ont bien des stations. Non, mais voilà. C'est ça. Et du coup, non, ça, j'aime pas du tout parce que, bah, forcément, ça, pour moi, c'est pas le sport comme on l'a connu et comme on l'aime. Et même si on voit plus large que ça, c'est juste. Ils investissent à fond dans le sport de partout pour c'est pour redorer leur blason à l'échelle mondiale quoi et oui. pour se faire connaître tout ça et ouais non moi ça me c'est pas je suis pas fan et en plus ils nous ont pris Seko Fofana alors tu vois en plus. Encore moins. Du coup, sur un sujet, un dernier petit sujet de fond, Félix, si tu veux bien. David Lapartien, il a beaucoup parlé ces derniers temps de refonte du calendrier. Alors, à cause peut-être du changement climatique aussi, ça risque d'être compliqué de courir dans certains coins au mois d'août, dans 5, 10 ou 15 ans, on verra bien. Mais surtout, je crois qu'ils ne veulent pas trop que les épreuves se chevauchent. Est-ce que tu rejoins cette discussion, cette idée-là qu'il faudrait peut-être séparer Tirreno et Paris-Nice? Il y en a qui parlent d'une inversion de Giro Vuelta, de décaler d'autres courses un peu à droite ou à gauche, d'avoir une deuxième session, peut-être un Roubaix au mois d'octobre. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces idées-là? Pour ce qui est de l'aspect réchauffement climatique, changement des saisons, etc. Inverser le Giro et la Vuelta, par exemple, bah, ça fait sens parce que souvent les coureurs ont trop froid sur le Giro, voire on annule des étapes ou des passages de col, et sur la Vuelta, on commence à être à la limite, je pense, de ce qui est acceptable pour un organisme sur des épreuves d'endurance quand on a des étapes qui flirtent avec les 40 degrés. Donc oui, inverser les deux, bah, pourquoi pas. Après, pour des histoires de... Les classiques, pour moi, tant qu'il n'y a pas d'aspect problématique à les laisser à la place où elles sont. Là, en fait, je parle juste de la Vuelta du Giro, parce que c'est vrai que ces deux grands tours, pour faire très simple, il y en a un où il fait trop froid, il y en a un où il fait trop chaud. Bon, bah, on inverse les deux, comme ça, on rééquilibre. Oui, ce serait bête de je vois pas comment on peut être contre cette idée-là, mais par contre les classiques, même les courses par étapes d'une semaine, Paris-Nice, Tirreno, ça a toujours été face à face. Ça a toujours chaque course a toujours trouvé son public, j'allais dire, mais je parle des coureurs, c'est-à-dire que voilà, les coureurs qui préparent plus Milan-San Remo, les classiques, ils ont toujours préféré Tirreno. Les coureurs de grand tour, ils ont toujours eu plus tendance à aller sur Paris-Nice, qui est peut-être un poil plus prestigieux en termes de palmarès, tout ça. Non, je vois pas pourquoi passer Paris-Roubaix en octobre. Ok, une fois, il y a eu Paris-Roubaix en octobre à cause du Covid. C'était sympa, il a plu. C'était une belle édition. Mais en avril, c'est bien aussi, non? Pourquoi en fait, enfin, pour quelle raison valable mais je crois mettre que si les Flandriennes en fin de saison enfin, l'argument de certains, en fait, je pense, enfin, l'idée qui est derrière ça, c'est pas forcément de vraiment décaler Paris-Roubaix en tant que tel, mais j'ai l'impression, et puis peut-être que je fais partie de ces gens-là, qui regrettent, tu vois, qu'il n'y ait pas une deuxième session de classique Flandrienne en automne. Quoi. J'ai un peu l'impression que bah il y a plus rien pour les classiques man, tu vois, une fois que l'été est passé quoi. Ouais, c'est vrai, mais c'est peut-être un mauvais argument, mais j'ai envie de te dire ça a toujours été comme ça et ça pourquoi ça pose problème, enfin ouais, je sais pas. Il y a le championnat du monde déjà souvent qui leur correspond. C'est vrai, ouais. La preuve le vainqueur de Paris-Roubaix cette année est aussi le vainqueur du championnat du monde. Ouais, il y a le championnat du monde. Après, souvent, voilà, t'es un grand coureur de classique, tu fais tes classiques, tu fais le Tour de France, après tu fais le championnat du monde. Ça fait déjà une belle saison à trois grandes courses, quoi. Même si le Tour de France, il y en a pas beaucoup qui font les classiques, qui jouent quelque chose sur le Tour, mais c'est un passage obligé quand même dans une saison quand t'es un grand coureur. Donc je trouve que c'est déjà pas mal. Après, c'est pareil. Du coup, tu laisserais quoi en début d'année? Tu laisserais le Tour des Flandres en début d'année et Paris-Roubaix en fin d'année? Bah, ça serait nul parce que l'histoire fait que ces deux courses-là se sont toujours enchaînées
Et voilà, c'est la semaine sainte, on appelle ça ici. Enfin, ça, pour moi, on ne peut pas y toucher, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Donc, si tu enlèves les deux et que tu les mets en octobre, eh ben, c'est pareil, les Classic Man, ils n'auront pas grand-chose à se mettre sous la dent en début de saison. Ouais, non, je sais, pour moi, fausse bonne idée. Fausse bonne idée. On va finir là-dessus. Il y a une dernière question avant de parler de toi, un petit peu plus vélo, parce que je sais que tu aimes surtout parler vélo. Pogacar, le Giro, puis le Tour de France. Comment tu vois les choses, toi, pour lui l'an prochain? Bah, je trouve que c'est une bonne idée. Il a raison de tenter ça à ce stade-là de sa carrière, parce que bah déjà, ça fait 2 années de suite qu'il est battu sur le Tour de France. Est-ce qu'il n'y a pas un aveu de faiblesse ça, à aller sur le Giro? Non, pas du tout, mais un coureur de sa trempe avec le palmarès qu'il a déjà. C'est-à-dire que Pogacar, pour moi, je vais pas. Je pense qu'il a plus intérêt à gagner un Giro qu'à regagner un Tour de France, pour moi. Si t'exclus le fait que s'il gagne le Tour, c'est que il battra Vingegaard et que c'est un adversaire sur lequel il bute depuis 2 ans, mais en termes de palmarès brut et de carrière, il a déjà 2 Tours de France, il a gagné Tour des Flandres, Lombardie, Liège, voilà. Enfin, c'est notre Merckx des temps modernes. Et bah, le Giro, c'est le grand tour le plus prestigieux après le Tour. Il doit y aller une fois dans sa carrière pour le gagner, au moins une fois. La Vuelta, pareil, il faut qu'il la gagne au moins une fois. Et dans ce sens-là, bah pour moi, c'est le bon moment parce que ça fait 2 ans qu'il est battu sur le Tour. S'il va sur le Giro, si Vingegaard n'est pas là, que tout va bien, normalement, il devrait gagner. Après, il ira sur le Tour avec les moyens du bord, avec une première expérience de doublé comme ça, deux grands tours aussi proches. Et son Tour de France sera ce qu'il sera. Mais dans tous les cas, s'il gagne le Giro, ça sera forcément un accomplissement important dans sa carrière que ça peut valoir le coup de, entre guillemets, sacrifier un Tour de France sur une saison, quoi. Et ouais, je me répète, mais c'est le bon moment. C'est le bon moment parce que bah voilà, il a quel âge Pogacar là, il va avoir 26 ans. Bon, il a déjà gagné 2 Tours de France, 26 ans, il a jamais participé au Giro. L'année dernière, il a fait une saison plus axée vraiment flandrienne, puis après Tour de France. C'est très bien passé sur les flandriennes, sur les classiques. Tour de France, il a fait 2e, mais voilà, c'est parce qu'il tombe sur un monstre. Cette année, il va faire sauter les flandriennes, il va pas les faire, il va sur le Giro. Enfin, ouais, il diversifie ses saisons. Et je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ensuite d'aller au Tour de France? Enfin, je m'explique, j'ai l'impression que parfois, tu vois, il a un petit peu du mal à enchaîner. Est-ce que ça fait pas trop si que ça va quand même. Ouais, enfin, je veux dire à son niveau, bien entendu. Mais est-ce que tu trouves que ça fait pas trop dans la saison, sachant qu'il va aussi viser le titre de champion du monde, parce que le parcours sera quand même pas trop mal pour lui. Est-ce que tu penses que c'est jouable vraiment de faire Giro, Tour, les JO et le Mondial? Bah, ça fait, ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup. Et c'est vrai, comme tu dis, que Pogacar, souvent, après le Tour de France, c'est pas là qu'il est le meilleur. Donc, il a jamais brillé à la Classica San Sebastian. Et après, il a toujours besoin de sa petite coupure pour après revenir fort sur la fin d'année. Donc, je sais pas comment il va gérer là, l'après Giro, pour enchaîner sur le Tour de France. Mais ils doivent avoir leur plan en tête et c'est pas impossible. Après, cette année, on a vu Vingegaard bien enchaîner Tour de France Vuelta, même si sur la Vuelta il était quand même moins fort que sur le Tour. On a vu Sepp Kuss faire 3 grands tours dans l'année, c'est bien passé pour lui aussi. Enfin, je pense que c'est pas impossible de performer sur le Giro à 100% et d'être correct sur le Tour. Mais c'est sûr, c'est que je le vois pas faire le Giro, gagner le Giro et après battre Vingegaard sur le Tour de France. Je serais vraiment étonné. Ouais. Est-ce que tu le vois plus comme un chasseur d'étapes sur le Tour, c'est-à-dire se désintéresser complètement du général, parce qu'il faut être en forme dès le début, parce que les étapes en Italie sont quand même assez difficiles. Est-ce que tu penses qu'il va lâcher direct ou quand même jouer? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que s'il y va, tu peux pas déjà, quand tu t'appelles Tadej Pogacar, permettre de dire j'arrive et je perds du temps exprès.
s'il perd du temps un moment parce que, enfin, par la force des choses, comme Evenepoel cette année sur la Vuelta, oui, oui, pourquoi pas. Mais pour moi, non, il part dans une optique de dire, eh ben, on tente le doublé, tant pis, le Giro, ça donnera ce que ça. Après, il y a aussi autre chose. Hein, c'est, est-ce qu'il a besoin d'être à 3000% pour gagner le Giro? Non. Ça, c'est aussi la question, tu vois. Si dur que donc, ça. Non, c'est après c'est des discussions avec son équipe. Ils ont c'est des mecs qui sont très bien entourés. Donc s'il veut le tenter, enfin il est c'est carrément légitime de le tenter. Quitte à louper son tour, c'est pas grave. Mais s'il gagne le Giro, c'est ça de cocher en plus dans sa carrière, quoi. Enfin, je veux dire, c'est imagine à 26 ans le palmarès qu'il aurait déjà. Merci. Ce mec-là à 26 ans, quoi. Ce serait monstrueux. Est-ce que, parce que je vais dire, c'est peut-être triste pour leurs adversaires, mais est-ce que quand tu es dans la tête de Pogacar et de Machin, tu te dis, bah, de toute façon, limite, il y a une telle marge avec la concurrence qu'au Tour de France, au pire, tu fais deux, quoi. Ouais, c'est ça, mais après, je pense pas qu'ils se disent, au pire, on fera deux du Tour de France. Je pense que, quitte à se dire ça, ils préféraient ne pas le faire et mieux préparer son championnat du monde, tu vois, et être champion du monde. Je pense que s'il prend le départ du Tour de France, c'est qu'il veut le gagner dans tous les cas, parce qu'il n'a pas d'intérêt à aller sur le Tour. Le Tour ne va rien lui apporter en termes de forme pour la suite de sa saison, oui, et notamment le championnat du monde, qui est un parcours qui lui convient parfaitement. Il n'y a pas des parcours comme ça tous les ans, donc c'est une occasion en or pour lui. Le Tour ne va rien lui apporter pour la suite de sa saison, pour le championnat du monde. Donc s'il va sur le Tour, c'est pour le Tour. C'est pas histoire d'être là et de préparer la suite. Ça c'est niet. Ça, j'y crois pas, ouais. Si non ça j'y crois pas, parce que là, le truc parfait c'est faire le Giro, se reposer et ensuite préparer gentiment les championnats du monde tranquillement, parce qu'on voit, oui voilà, à la rigueur, mais les coureurs d'aujourd'hui sont jamais aussi forts que quand ils ont une longue période d'entraînement sans course, sans le stress de la course, sans l'aspect incontrôlable de la course, même en termes d'effort, quoi. L'entraînement, on peut largement mieux planifier sa charge de travail que sur une course par étape. Donc, c'est pas en allant sur le Tour de France, en ayant déjà fait le Giro, qu'il préparera de manière optimale le championnat du monde, ça c'est sûr. Dernière question sur Pogacar et Vingegaard. Est-ce que pour celui qui est adepte de spectacle, c'est pas la pire nouvelle qui soit Pogacar au Giro, tu l'as dit, qui est quand même normalement largement au-dessus des mecs qui sont là. Et Vingegaard, déjà, qui est un peu plus fort que Pogacar, si en plus Poggi, il a un Tour d'Italie dans les pattes, est-ce qu'on risque pas de s'embêter un petit peu? Ouais, si. Enfin, c'est sûr que si les deux sont ultra dominateurs sur les deux grands tours, forcément, on va vite s'ennuyer, mais après, voilà, le vélo, c'est quand même, c'est quand après, même c'est pas plein de surprises. Hein, ça, c'est sûr. Non, c'est sûr, mais une saison, c'est pas l'autre. Bon, sur le tour, il y aura quand même Remco qui sera là, même si je le vois pas rivaliser avec Vingegaard. Je pense qu'ils auront appris cette année de sa préparation à la Vuelta, où pour moi, il est arrivé cramé. C'était pas son vrai niveau. Loin de là, donc je suis curieux de le voir quand même à 100% sur le Tour de France. Ouais, je dirais franchement, vu le plateau qu'on aura et l'équipe que Pogacar aura, même s'il est moins fringant que s'il n'avait pas fait le Giro, je pense pas qu'on puisse dire qu'on va s'ennuyer sur le Tour. Vu les étapes qu'il y a, vu le parcours déjà, vu l'armada de UAE qui a priori irait avec Ayuso, Almeida, Pogacar du coup, Yates, les débuts sur le Tour de Remco. Franchement, je pense que sur le Tour à minima on va prendre du plaisir. Et après, moi sur le Giro, moi je suis comme ça, mais je préfère voir un grand champion gagner, écraser une course, plutôt que voir une bataille entre des coureurs un peu de... je dis ça avec le respect qui leur est dû, hein, mais de seconde zone. Ça m'intéresse moins. Par exemple, moi, j'avais pas regardé le Tao Giro, Hindley en 2020. Ouais, Tao Hindley, ça m'intéressait pas. Enfin, c'est pas méchant, mais ça m'intéressait pas des masses.
Je serais plus curieux de voir, de regarder Pogacar. Après, voilà, c'est un moment, il a 7 minutes d'avance au général. Je pense que je ne regarderai plus, mais je pense que je trouve toujours quand même de l'intérêt à avoir un grand coureur sur une grande course, même s'il l'écrase, quoi. Ouais, je comprends un peu ton point de vue. Je pense qu'on a un peu fait le tour sur les questions au niveau du vélo. Je vois qu'il est quasiment 7 heures. Il y avait pas mal de questions sur toi, Félix. Des lettres toute la saison. Tiens, j'en voyais une première sur le live Twitch. Délai toute la saison, c'est-à-dire l'année prochaine? Ouais. Je sais pas du tout ce qui en sera. Faudrait demander à Antoine Besson, c'est lui le boss. Ce qui est sûr, c'est que on va continuer. Moi, je serai moins disponible que cette année, mais comment quand je le pourrai, ça m'intéresse toujours de faire des émissions avec eux. Donc oui, logiquement, il y aura une saison 2 du late. Après, vous dire comment, à quelle fréquence, etc. Ça, je ne sais pas du tout. Mais oui, il y aura une saison 2. Ouais. Alors, des questions, j'en vois sur le Discord, je crois que tu les as vues aussi. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à commenter le cyclocross à la télé belge? Justement, c'est en partie grâce au late, mais pas que. En fait, il y a quelques temps, j'avais fait une émission pour Proximus, qui est une chaîne belge aussi, du coup. Une émission là-bas à Bruxelles avec Gordon De Winter, peut-être ça parle à certains, qui est un ancien coureur en continental en Belgique, qui est maintenant qui travaille dans le milieu des médias sportifs. Et il m'avait invité, donc c'est une émission de 40-45 minutes où on parle vélo, etc. C'était avant la Vuelta, je crois. Et du coup, j'avais fait ça s'était bien passé. Et en fait, il y a eu un désistement pour comment, enfin une annulation pour commenter, enfin le commentateur qui devait faire consultant là pour le cyclocross belge pour RTL ce week-end pouvait pas, et du coup ils ont cherché quelqu'un, ils ont demandé autour d'eux, et du coup c'est Gordon De Winter du coup qui a donné mon nom. Et en fait le journaliste avec qui j'ai travaillé avait déjà écouté des late, et du coup il me connaissait de là, et donc ça lui a parlé, quoi. Et il m'a appelé l'avant-veille, savoir si j'étais dispo. Et comme j'étais dispo, bah voilà, c'est toujours une expérience en plus. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas, un peu par hasard. Ouais. Est-ce que je me trompe si je dis que j'ai l'impression que ça te plaît vachement ce rôle de consultant? Ouais, si, j'aime bien. Après, je le fais avec parcimonie, donc forcément je suis pas j'aime bien quand je le fais. Je dis pas que je ferai ça sur 80 courses à l'année. C'est ça qui est bien, c'est que quand t'en fais pas beaucoup, bah ça te permet de, quand tu le fais, de entre guillemets d'être au taquet, quoi, et d'être vraiment, enfin, de prendre plaisir à le faire, quoi. Et c'est peut-être pour ça que ça se passe bien, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que cette année, en fait, ce que j'avais fait, c'était, j'étais avec France Bleu Nord, j'avais fait Paris-Roubaix, toutes les courses dans le Nord, etc. Et ça, par contre, ça m'avait vachement plu, Paris-Roubaix. Et l'an prochain, c'est sûr que je vais le refaire avec eux. Sauf s'il y a un souci d'ici là ou si je suis pas dispo. Mais normalement, je vais me rendre disponible, quoi. Donc, non, c'est des trucs que j'aime bien faire. Ouais. Ouais, puis c'est des courses. Comment? C'est des courses qui sont vers chez toi, en plus, du coup. J'imagine qu'il y a un plaisir encore plus grand. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai fait que des courses relativement intéressantes. J'ai jamais fait de courses où c'est une étape, genre 100 km, il y a deux échappées, 300 bornes. Ouais, voilà, il faut meubler tout ça. Moi, j'ai jamais été confronté à ça, donc forcément, toutes les expériences que j'ai eues, c'était sympa, quoi. Puis à chaque fois, je suis tombé avec des gens vraiment. Vraiment top, que ce soit à France Bleu ou à RTL chez les Belges. À chaque fois, les gens de ce milieu-là, c'est des gens vraiment. Ceux que j'ai rencontrés pour l'instant, c'est tous des super mecs, quoi. Donc, euh,
Donc, non, c'est que du plaisir. La question à 100 000 euros, Félix, pourquoi est-ce que tu es fan de Remco Evenepoel? Bah ça, comme je l'ai dit, parce que j'ai commencé à le suivre en junior. Moi, j'aimais bien suivre les jeunes, tout ça. Je m'intéressais beaucoup aux juniors quand j'étais moi-même encore coureur ou l'année de Remco, bah, je venais d'arrêter le vélo seulement, donc c'était tout frais. Je m'intéressais vachement aux juniors parce que c'était une catégorie que j'avais quittée il n'y a pas si longtemps que ça et où c'est la. Les gros talents se révèlent souvent dans cette catégorie-là, donc j'aimais bien suivre. Alors, avant Remco, il y avait eu Pidcock que je suivais à bloc. Il y avait eu McNulty, je me rappelle, je suivais à bloc aussi. Costa, bon voilà. Et donc il y a Remco qui est arrivé. Et comme je disais, il a fait des trucs que je n'imaginais même pas possible. J'imaginais pas voir une fois dans ma vie dans la catégorie junior un mec aussi fort. Et du coup, moi, comme j'aimais bien suivre les jeunes talents comme ça, voir ce qu'ils allaient faire chez les pros, tout ça, bah, je me suis mis à le suivre. Puis j'aimais bien ce qu'il dégageait sur le vélo, voilà, j'aime bien ce qu'il dégage en général. Et après, quand il a commencé chez les pros, il y a eu ce mélange de comment Remco, il a une personnalité que je trouve. Clivante d'après certains, mais attachante. Donc, au-delà du coureur, j'ai commencé à vraiment apprécier le bonhomme. Et quand il a commencé à. Comment. En fait, plus il s'en est pris plein la gueule par les médias, les réseaux sociaux, tout ça, plus ça. Comme c'est un bonhomme que j'appréciais, au-delà du coureur, ça me faisait chier. Et du coup, quand il répondait sur le vélo, j'étais d'autant plus content, quoi. Et après, bah, ça fait boule de neige, quoi. C'est-à-dire que voilà, je me suis mis à vivre de plus en plus de beaux moments devant la télé grâce à lui. C'est-à-dire que voilà, c'est comme quand on supporte un club de foot et que ça gagne, ça donne des émotions. Bah là, pareil, quand il a gagné des grandes courses. Après une période pas facile, quand il a gagné son premier Liège, tout ça, enfin voilà, j'étais aussi content que quand le Racing Club de Lens gagne, quoi. Donc voilà, maintenant, c'est un secret pour personne. C'est mon coureur préféré. Et puis même si à l'époque je l'imaginais gagner 10 Tours de France et qu'il en gagnera probablement pas 10, et ben j'apprécie aussi ce côté. Quand je regarde une course avec lui, je sais jamais trop à quoi m'attendre, quoi, parce que autant des fois il nous épate encore et autant des fois il passe au travers. Et c'est ce que j'aime bien avec lui, c'est un personnage, c'est un coureur atypique, qui est à la fois d'énorme qualité, qui est parfois monstrueux, puis qui est parfois ses petites craquantes, quoi, qui lui donne un petit côté humain, quoi. Donc ouais, c'est pour toutes ces raisons, quoi. Mais à la base des bases, c'est parce que j'aime bien suivre les jeunes prodiges et Remco, c'était le jeune prodige. Et sans trahir de secret, tu l'as rencontré, Remco? T'as déjà échangé avec lui ou pas du tout? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Après, quand il était junior, j'avais déjà parlé un peu avec lui sur Instagram. Et du coup, c'est là déjà que j'avais vu que c'était un mec tranquille, quoi. Qui se prend pas la tête, contrairement à l'image qu'il peut renvoyer, tout ça. Et après, deux, trois fois, j'ai déjà échangé avec lui, mais maintenant que c'est une superstar, je l'embête plus. Mais par contre, ce qui joue aussi, c'est que j'ai des bons potes chez Quickstep. Il y avait Florian qui était chez Quickstep, là, il s'en va, mais qui me disait que. Enfin voilà, il me disait Remco, il me disait tout le bien qu'il pensait de lui en interne. J'ai un pote à moi qui est mécano là-bas, pareil. Enfin, en gros, il est très très loin de. Enfin, les gens qui le connaissent. L'image qu'il renvoie publiquement. Ouais. C'est même pas ce qu'il renvoie publiquement, parce que ça commence à changer, j'ai l'impression, parce que de plus en plus de gens commencent à découvrir des petits trucs sympas sur lui. Notamment la vidéo qu'il a fait, l'interview d'une heure qu'il a fait avec Benji avec Nassen. Benji, ouais. Où c'est vrai qu'il donne vraiment une image de mec. Il donne une image positive, quoi. Mais tous les mecs qui le côtoient, ouais, disent que c'est vraiment un mec gentil, quoi.
Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a des mecs qui le détestent vraiment. Enfin, je comprends pas pourquoi on peut en fait, autant le détester, mais c'est viscéral, j'ai l'impression. C'est comme, j'ai envie de te dire, c'est comme, ça me fait penser à Mbappé en football, moi. C'est-à-dire que, et Mbappé, pareil, moi je l'adore, et plus les gens le détestent, plus je vais l'adorer, parce qu'en fait, c'est tellement pas mérité. Et moi je pense que c'est parce que c'est des mecs qui ont tout, en fait. C'est des mecs ultra talentueux, ils sont imparfaits, comme nous tous. 100% des êtres humains. Mais ils sont ultra talentueux et ils ont une tête bien faite, ils ont confiance en eux, ils ont conscience de leurs qualités et ils ont les ambitions qui vont avec. Alors des fois, ils ont des comportements un peu agaçants. Moi, des fois, Remco, il m'énerve aussi. Des fois, il m'énerve, mais en course, il m'énerve des fois. Mais je dis ça comme je sais pas moi, avec bienveillance, quoi, comme un petit frère qui t'énerve ou comme toi tu peux énerver ton père des fois, tu vois, enfin, mais à côté de tout ce qui, comment dire, ce petit côté énervant, agaçant, c'est tellement rien à côté de tout le reste, quoi, du talent sportif, de ce qu'ils nous font vivre en termes d'émotions sportive et puis aussi de ce qui dégage humainement, tout ça, enfin, et du coup pour moi les mecs qui détester des mecs comme ça, c'est juste, enfin, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est juste de la jalousie, quoi. Tu peux pas être crédible en disant ce mec là je le déteste parce que et donner des arguments valables, enfin, pour moi il y en a pas, en fait. C'est juste des mecs talentueux qui réussissent et qui ont une personnalité, mais tant mieux. Enfin, tant mieux. On préfère des mecs comme ça dans le sport que des mecs tout lisses. Hein. Enfin, perso. Oui, moi, je préfère, j'avoue, sincèrement. Tiens, la question piège. Si tu as le choix entre l'ange champion de France et Remco qui gagne le tour. Ah, putain. Allez, vache. Celle-là, elle fait. Ouais, celle-là, elle est vraiment dure. Parce que là, si t'as tous tes copains dans le Nord qui t'écoutent et que tu dis Remco, ça peut être tendu. Hein. Non, mais... mais je... Personnellement, hein, honnêtement, je pense que... Mais je vais te dire pourquoi après. Je dirais Remco gagne le tour. Parce que Lens... Ça c'est pas vécu comme un échec s'ils sont pas champions de France, c'est-à-dire que ils nous font plaisir, ils nous rendent heureux même sans être champions de France. Ce qui se passe à Lens depuis quelques saisons, c'est incroyable. Ils ont déjà été champions de France, j'espère qu'ils le redeviendront un jour, mais oui, tant que t'as Paris, ça peut pas être vu comme un échec, quoi, de toute façon. Pas un échec, quoi. Alors que si Remco gagnait le tour, ce serait tellement en fait, ce serait tellement, par rapport à tout ce qu'il a vécu et toutes les critiques qu'il peut essuyer, tout ça, ce serait, le jeu, il serait terminé, quoi. Voilà, il y aurait plus rien au-dessus et sa carrière elle serait faite, elle serait encore longue après, hein, mais là, tout ce qu'on peut entendre sur lui, etc. Voilà, ça aurait pu lieu d'être et du coup on serait un peu tranquille à ce niveau-là, quoi. Donc, est-ce que tu y crois, Félix? Hein? Est-ce qu'à l'instant T avec Vingegaard et Pogacar, tu y crois? Honnêtement, oui, parce que, alors, je n'y crois pas. Par exemple, si je devais mettre mon argent personnel avant le tour, je ne le mettrais pas sur Remco, pas cette année. Je dirais même peut-être pas tant qu'il a la Soudal Quick-Step. Mais il a déjà fait des trucs tellement exceptionnels que j'arrive pas... Enfin, je me dis, il n'y a pas de raison que quand ils auront trouvé la bonne formule pour se préparer pour un grand tour, pour être pleinement à son plein potentiel en montagne, sur l'enchaînement des étapes, etc., il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas capable. Parce qu'en termes de talent brut, de force brute, bon, même si Pogacar depuis quelques années là, c'est,
c'est quand même quelque chose. Mais en termes de talent brut, pour moi, il est plus fort. Mais est-ce que son principal problème, ce ne sera pas l'explosivité? Parce que tu vois, pendant que tu parlais, je repensais aux attaques, aux pralines qui se mettaient Pogacar et Vingegaard, et j'imagine un petit peu Remco qui est plus rouleau compresseur. Est-ce que ça serait peut-être pas ça le problème au final, d'être capable de résister à tout ça, quoi? Non, parce que quand ils se mettent des sacoches comme ça, de l'espace, là, c'est pas comme ça que tu montes le col le plus vite du point A au point B. Donc ils le font, c'est juste pour se départager entre eux. Mais c'est pas ça qui va faire que si t'as un troisième larron qui lui préfère monter à son train, qui a le même niveau qu'eux, intrinsèque sur la montée du col, mais qui n'aime pas les à-coups, bah c'est plus eux qui vont être perdants à faire des sprints dans le col. Enfin, donc non, c'est pas tant ça. C'est plus le niveau pur sur une montée de col brute, sur une grosse étape de montagne, sur l'enchaînement des étapes surtout. Pour l'instant, il l'a pas. Mais je vois pas comment, avec son moteur, il peut ne pas l'avoir, parce que c'est un champion du monde de chrono qui fait 60 kilos. Donc, quand il est méga affûté, il fait 60 kilos. Donc, pourquoi il grimperait pas, en fait? Tu vois, pourquoi, à terme, il aurait pas le même niveau qu'en montagne? Et pareil, lui, il est capable de choses que eux ne sont pas capables de faire. Sur des étapes, après c'est rare d'en avoir des comme ça sur un grand tour, mais sur une étape un peu chantier où à un moment t'en as partout, machin, s'il prend 10 secondes, bah lui il peut gagner que 3 minutes, quoi, tu vois. Et ça, même si Pogacar a commencé à montrer des qualités un peu comme ça cette année aussi, sur Lombardie, bon, c'était moins. Ouais, parce qu'on se sent, enfin, je sais pas si t'es d'accord, mais j'ai l'impression que Pogacar il baisse en intensité quand même au bout d'un moment, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que Remco, lui, sur ce truc-là, ça, on peut pas lui enlever sur le truc numéro solitaire. Il y en a pas deux dans le monde qui font ce qu'il est capable de faire. Oui, ce qu'il a fait à Liège, par exemple. Ce qu'il a fait à Liège, ouais, c'était assez abusé. S'il avait roulé à fond, je pense qu'il aurait gagné que 3 minutes. Ce qu'il a fait à San Sebastian il y a 2 ans, 45 km en solo après avoir épaillé le peloton. Qu'il a fait sur plein de courses, championnat du monde l'an dernier, sur plein de courses. Mais après, c'est pas ce qu'on recherche vraiment chez un coureur de grand tour. Oui. Donc, entre guillemets, je pense que ça sert un peu à rien sur un grand tour. Mais non, dans mon logiciel, ouais, j'arrive pas à expliquer pourquoi en montagne il deviendrait pas aussi fort qu'eux. Mais jusqu'à maintenant, force est de constater que pour l'instant, c'est pas le cas. Donc à voir, mais ouais, j'y crois. Oui, puis il est jeune en plus, c'est vrai qu'il y a encore le temps. Bah oui, à son âge actuel, je pense qu'il n'y a pas. Et c'est 2000 Remco, une personne, dans 23 ans. Une personne qui nous écoute qui connaissait Vingegaard, quoi. Donc, oui, très content d'y ça. Et ça l'empêche. Bah non, mais voilà, faut toutes raisons garder. Des fois, c'est pour ça, j'entends des mecs, ouais, il gagnera plus jamais un grand tour et tout, parce que sur la Vuelta, j'ai envie de leur dire, hey, les gars, oui, puis vous êtes sérieux ans, ou... Ah non, mais voilà, le mec a 23 ans, il n'y a pas un coureur dans le peloton des années 2000, à part Pogacar, qui a un meilleur palmarès que lui. Sinon, c'est le deuxième palmarès du cyclisme moderne à 23 ans. Et ça se tape avec Pogacar, hein, parce que Pogacar, au même âge, il y avait le tour. Mais il n'était pas champion du monde et il avait gagné moins de courses chez les pros et moins de numéros en solitaire aussi. Tu vois, le premier tour qu'il gagne, même si c'est exceptionnel de gagner un tour à cet âge-là, le premier tour qu'il gagne Pogacar, c'est équivalent à l'âge où Remco gagne sa première Vuelta. Et ben, en termes de, entre guillemets, maîtrise sur les 3 semaines et sur la saison complète, la saison du coup, c'est dans l'année de leurs 22 ans, la saison des 22 ans de Remco, même s'il ne gagne pas le tour et que Pogacar gagne le tour, elle est plus impressionnante, je suis désolé. Il gagne Liège en solitaire, championnat du monde en solitaire, troisième des mondiaux de chrono, une Vuelta quand même plutôt pas mal maîtrisée, un nombre de courses, San Sebastian en partant à 45 km de l'arrivée. Donc, le Remco de 22 ans, tu les mets côte à côte, il est plus impressionnant que le Pogacar de 22 ans. C'est sur l'année d'après que Pogacar a vraiment explosé, en fait, et continué sur cette trajectoire-là. Mais du coup, c'est pour ça que je trouve ça sidérant quand on tire des conclusions hâtives sur un mec qui a 23 ans
T'as et aussi à fort que lui. Les juniors, Félix, tu l'as dit tout à l'heure, à une époque, Pogacar, chez les juniors, pour moi, Primozic était un petit peu au-dessus et ça n'a rien à voir avec ce qu'a fait Remco chez les juniors. Ah non, c'est incomparable. Non, Pogacar, il a vraiment progressé. C'est en espoir 1. Il a fait une très bonne saison espoir 1. Et tu peux demander à Nicolas Fritsch, parce que je me rappelle, j'en avais parlé à l'époque parce qu'il était... Il était encore agent du coup et comme on se connaissait bien et ben je lui avais dit il y a un mec il a l'air de marcher là un espoir 1 tout ça et je lui ai parlé du je m'en rappelle et l'année d'après là il a explosé il a gagné le Tour de l'Avenir etc mais c'est vrai que oui à 19-20 ans entre les deux il y avait encore pas photo Remco à 19 ans c'était du jamais vu quand même quoi et à 20 ans je t'en parle pas l'année Covid avant ça plutôt Lombardie même si c'était sur des plus petites courses entre guillemets il gagnait tout. Il gagne tout, il a perdu aucune course. Quand il gagne le Tour de Pologne et que, avec, je ne sais plus, 2 minutes d'avance en faisant 50 km en solitaire, et je m'en rappelle moi, parce que Florent Sénéchal, il m'en avait parlé après, il m'avait dit, c'est fou, il est venu me voir pendant la course, il m'a dit, je vais attaquer à 50 km de l'arrivée. Et Sénéch, il lui dit, mais non, il lui dit, le final, il est dur et tout, attends, tout ça. Et il dit, il a attaqué, et il a gagné tout seul. Il dit, je ne sais pas comment il peut avoir cette confiance en lui. Il était impressionné. Il m'avait dit à cette époque-là, il m'avait dit, c'était, il y avait un niveau, mais c'était monstrueux, quoi. Après, il y a eu cette histoire, la chute, l'année 2020, c'était un peu bizarre. Justement, est-ce que c'est pas ça, la chute, qui a un peu tout faussé, dans le sens où on met sur le Giro, je suis pas sûr que c'était une bonne idée. Ah ouais, c'était nul. Ça, c'était nul. Ils n'ont pas fait perdre un an et demi. Ils ont brisé quelque chose chez lui. C'est la confiance inébranlable qu'il avait en lui. Ça, c'est sûr que ce Giro 2021 et cette année-là, 2021. Dans son ensemble, elle a cassé quelque chose qui faisait sa force avant ça, je pense. C'est-à-dire qu'avant ça, je pense que c'est quelqu'un qui doutait de rien. Je pense que dans sa tête, c'était le plus fort du monde et il allait, tôt ou tard, il allait éclater tout le monde et peu importe le terrain, il avait confiance. Je sais que en montagne, il n'a pas cette confiance qu'il a sur les courses d'un jour. Sur les courses d'un jour, qui ressort, a priori, c'est que il dit voilà, je vais gagner. Aujourd'hui, je vais gagner. Et il gagne. Championnat de Belgique tout plat, apparemment il a dit je vais gagner et ça va se passer comme ça la course et ça s'est passé exactement comme ça. Les Jumbo ils vont faire la guerre dans les monts en début de course, ça va rouler vite toute la journée, je vais attaquer à la fin, je vais gagner. Et il a gagné. Et apparemment en montagne, c'est normal aussi, mais il n'a pas encore cette confiance et c'est pour ça que des fois on le voit, il fait un peu de la merde. Il se teste, on dirait, il regarde beaucoup à droite, à gauche, Je pense que cette confiance-là en montagne, il ne l'a pas encore parce qu'il n'a jamais performé à la hauteur de ses attentes en montagne. Mais parce qu'il y a l'épisode Covid aussi cette année, où il était quand même bien parti pour remporter la course et finalement, bam, Covid est terminé. En plus, ouais, non, c'est clair. Alors que je pense que, vu son niveau à Liège, je pense qu'il était vraiment son meilleur niveau de l'année. De toute façon, c'est à Liège. Je pense que derrière, après, ils ont fait une erreur. Parce qu'il gagne le chrono Covidé quand même, c'est quelque chose. C'est que ça allait pas trop mal. Non, mais je pense que l'erreur qu'ils ont fait, c'est de le faire reprendre Tour de Suisse, tout ça. Après, même si ça lui permet d'être champion de Belgique, et que ça, c'est quand même pas rien dans une carrière quand t'es belge. Je pense que c'est ça qui a pêché sur sa fin de saison. Il était, pour moi, sur la Vuelta, il était fatigué parce qu'il a fait régressé. Avec ça, c'est que c'est un coureur, on dit en tout cas dans son entourage, qui a besoin de se préparer vraiment, qui peut pas vraiment changer ses plans en cours de saison et que le fait de ne pas avoir préparé la Vuelta, finalement, ça n'a pas permis une approche optimale et que c'est peut-être ça qui explique qu'il y a eu quelques étapes où c'était un peu plus difficile. Il l'a bien préparé, mais le truc, c'est qu'avant, il avait cet objectif d'être champion du monde contre la montre et c'est quand même pas super compatible de préparer un chrono de 45 bornes tout plat, 2 semaines avant, un grand tour très montagneux. À ce moment-là, on va dire, que ce soit Vingegaard, Roglic, même Kuss, cela dit, lui, il avait fait le 3 grands tours, je ne sais pas s'il était encore en stage, mais eux, ils étaient dans les montagnes pendant le championnat du monde. Ils n'étaient pas sur leur vélo de chrono à rouler sur le plat. Les 2-3 jours avant le chrono, c'est sûr que c'est pas optimal, mais pas de là à avoir une craquante comme ça. Il était pas à son niveau, il a pas été battu uniquement parce qu'ils sont plus forts en montagne. Il était aussi battu et nettement parce qu'il a explosé complètement à un moment et que on sentait il était même les jours après s'il faisait des numéros.
il n'était pas à son niveau de la Vuelta de l'année d'avant. L'année d'avant, il avait tenu la baraque quand même, hein, en montagne, même s'il avait eu un jour difficile. Sur les autres étapes, il tenait la baraque et il y avait quand même une concurrence. Enfin voilà, il y avait Almeida. Almeida, c'est quand même un des 5-6 meilleurs coureurs du monde, je pense, sur les courses par étapes. Il termine à 8 minutes au général, hein, sur la Vuelta de l'an dernier. Donc, Mas, l'an dernier, il rivalisait avec Pogacar sur le Lombardie. Limite, il lui faisait mal. C'était OK, il n'y avait pas Roglic, il n'y avait pas Vingegaard, mais il y avait Roglic, pardon, mais il est tombé. Oui, le Mas de fin de saison 2022 était quand même très, très fort. Bah voilà. Moi, je pense que le Remco de la Vuelta 2022, c'était quand même du très, très costaud, honnêtement. En plus, il prenait beaucoup en main, il roulait beaucoup, dans l'école, tout ça. Enfin, non, il était quand même très, très fort. Et cette année, il était bien, bien loin de son niveau de 2022 dans l'école, sur la Vuelta. Donc, c'est quand même qu'ils ont merdé quelque part. On devait parler de toi, on a plus parlé de Remco finalement. Ouais. Coup, je vais retourner à nos questions. Ah ouais, celle-là, elle est intéressante. Qu'est-ce que tu as préféré entre le vélo et le triathlon ? C'est difficile comme question. Ma passion, ça reste le vélo, de loin. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, moi, en tant qu'athlète, entre guillemets, enfin pour le côté juste moi, je pense que j'ai pris plus de plaisir c'était un plaisir différent, mais en triathlon, ce que j'aimais bien, c'est que déjà il y a trois sports à combiner réussir sa préparation, on va dire. Donc tu as des leviers dans trois sports différents, c'est moins monotone. Et c'est surtout que quand j'arrivais sur une course, quand j'arrivais sur l'Embraman, etc., je savais le niveau que j'avais et je savais la performance que j'allais délivrer. Et du coup, il y avait du plaisir là-dedans parce que je savais que si j'avais pas d'incident mécanique, je savais que ça allait très bien se passer et que j'allais faire un très bon truc. Alors qu'en vélo, et du coup, pendant la course, je le sentais ça. Je sentais que j'étais dans mon truc, que ça allait bien se passer et qu'il n'y a rien qui allait me perturber et faire que le résultat final ne serait pas celui que j'avais espéré. J'étais en contrôle et en conscience de ce que je faisais et du fait que j'étais en train de bien le faire et que j'allais bien le faire. Alors qu'en vélo, il y avait toujours l'incertitude. Chez les pros, je ne prenais pas trop de plaisir parce que le niveau il était élevé et je sentais que je pouvais pas jouer avec les meilleurs. Il y avait le stress des chutes. Je suis beaucoup tombé sur les deux dernières années. Et même quand tu marchais, en fait, il y a tellement d'incertitudes que j'avais plus d'appréhension. Enfin, comment dire, je vivais l'approche des courses et les courses en elles-mêmes avec plus d'appréhension. Il n'y a jamais eu une course où je me suis dit, ou rarement où je me suis dit, oh là, quel pied, ça se passe nickel, je suis au-dessus du lot, machin. Ça m'est jamais arrivé, je crois, même en junior, même quand je gagnais des courses. T'avais forcément du stress, tout ça. Alors qu'en triathlon, t'es plus maître de ta performance, t'es tout seul avec toi-même. Du coup, tu sais que si tu marches, tu marches. Mais d'un autre côté, en vélo, par contre, quand j'ai gagné des belles courses chez les juniors ou même chez les espoirs, c'est plus d'adrénaline sur l'instant T, quoi. Donc c'est un peu différent. C'est différent, mais ma passion, ça reste le vélo. Tiens, j'avais une question justement par rapport au vélo, parce que tu as été champion de France chez les juniors, tu as fait une super saison junior deuxième année notamment. Comment tu as vécu la suite? Parce que j'imagine que quand on a le talent que tu avais chez les juniors, j'imagine que tu étais un peu aussi porté, forcément au centre un petit peu de l'attention, même si c'était peut-être un peu moins que maintenant pour la catégorie U19. Mais comment on vit le fait de redevenir, entre guillemets, puis c'est pas du tout péjoratif, un anonyme ensuite chez les espoirs et chez les pros? En fait, c'est pas tant... on va dire, je fais pas de différence entre le mois des juniors et le mois des espoirs et des pros, parce que quand j'étais espoir et quand j'étais pro... Même si quand j'étais espoir, j'avais conscience de moins marcher que ce que j'aurais espéré en sortant des juniors, tu penses toujours que ça va aller mieux. Et tu as toujours cet objectif, tu es toujours dans cette quête de réussir dans ton sport qui fait que tu n'es pas en train de te dire
Oh là là, je suis devenu personne, ça. Enfin, je l'ai jamais vécu comme ça. Parce que pour moi, tant que j'étais sur un vélo, dans une équipe, bah, d'abord à Nogent en espoir et même après à Roubaix, pour moi, j'étais sur le chemin de. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, ça s'est fait lentement parce que quand je suis passé chez les espoirs, bah déjà en junior, même si je marchais, j'avais conscience que je n'avais pas le même talent que certains. Même si quand j'avais mes coups de force, j'arrivais à être très fort. Sur une saison entière, il y a des coureurs qui m'impressionnaient beaucoup plus que moi-même, quoi. Et à commencer par des potes à moi, Quentin Jauregui, que je connais depuis qu'on est tout gamin, bah, j'ai toujours su qu'il y avait plus de talent que moi. Et en junior, il marchait très fort aussi. Et voilà, et en cross encore plus, il était monstrueux. Pour avec des Van Der Poel, des machins. J'avais confiance en moi. Je pensais que je pouvais devenir pro, faire le Tour de France, machin. Mais je savais que j'allais jamais être un des meilleurs mondiaux chez les pros. Enfin, je me suis jamais dit ça. Du coup, moi, j'étais plus dans l'optique d'essayer de passer pro et de faire une carrière honorable, quoi. Mais du coup, je me suis jamais vu comme. C'est pas parce que j'étais champion de France chez les juniors que je me voyais comme un prodige du vélo ou comme un mec qui allait tout écraser, tout éclater chez les espoirs, machin. Et après, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est fait petit à petit, cette prise de conscience que bah, j'aurais pas forcément les capacités d'aller au bout de mes rêves, entre guillemets. Quand j'ai été espoir, bon, bah, au début, j'ai eu des problèmes de santé, je me suis fait opérer des artères iliaques, tout ça, donc j'ai eu une saison un peu blanche. Après, je suis bien revenu, j'ai fait 4 de Paris-Roubaix, etc. J'ai fait stagiaire à Roubaix, ça se passait bien, sur les courses pro, je prenais du plaisir. Et là, je me disais, bon, allez, tu passes à Roubaix, maintenant, objectif, en 2 ans, passer, je sais pas, chez Koff ou un truc comme ça, tu vois. Moi, j'étais nordiste en plus, je connaissais un peu des gens là-bas, dans la direction et tout. Je me disais, allez, si je marche, j'aurai ma chance chez Koff. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'étais pro. Et au début, bah, forcément, t'es motivé à 3000%. Et puis, bah, petit à petit, quand tu vois que ça paye pas, et au-delà du fait que ça paye pas, que bah, est-ce que je suis tellement content d'aller en course là? Ah, j'étais bien là pendant 3 semaines à m'entraîner à la maison. J'aime bien m'entraîner, mais est-ce que j'aime bien aller en course en fait? Bah, de moins en moins, tu vois. Parce que qu'est-ce que je vais faire à la course? Bah, je vais faire une échappée. Je vais faire top 20 en Coupe de France. Je vais faire. Quand je suis bien, je vais faire top 20. Et quand je suis pas bien, je vais me faire taper dessus. Soit je vais péter, soit je vais me casser la gueule, comme ça m'est arrivé plein de fois. Enfin, tu vois, la balance, elle commence à être. Ouais, il y a un truc négatif qui s'installe petit à petit. À pencher dans le mauvais sens. Et du coup, c'est petit à petit, en fait, où je me suis dit. Il y a déjà, je me suis dit, j'en suis pas forcément capable. Je pense que j'en aurais été capable si j'avais continué avec le recul, parce que quand je vois comment j'ai progressé à vélo après. Après avoir arrêté ma carrière, quand je fais du triathlon, je me dis, ouais, faire une petite carrière sur des classes 1, faire les Coupes de France, tout ça, j'en aurais été capable de tenir à ma place. Mais est-ce que j'en avais envie, en fait? Et c'est plus ça. Tu vois, quand tu. C'est-à-dire que tu avais perdu le plaisir un peu, c'est ça? Ah ouais, j'avais perdu le plaisir de faire des courses pour avoir ce rôle-là. En fait, je ne voyais pas l'intérêt de m'entraîner autant. De faire autant de sacrifices sur la bouffe, etc. Parce que franchement, j'étais sérieux hein, quand j'étais pro. Ça se voit pas dans mes résultats, mais j'étais sérieux. Pour misérer à suivre le peloton ou faire des top 15 en Coupe de France de temps en temps ou faire une échappée de temps en temps. Et à côté de ça, subir tout le stress d'un peloton, tous les effets, bah voilà, après une chute, enfin ma dernière année pro, typiquement je tombe, je me casse la clavicule droite, la main gauche. Moi je dis bon allez, pas grave, je fais 1 mois d'entraîneur, mais le mec motivé, hein, je me fais opérer 2 jours après, j'étais sur l'entraîneur. Je reprends les courses 4 semaines après, le chirurgien, je le vois, il me dit bah moi je te donnerai pas mon feu vert, mais je pourrais pas t'empêcher. Il me dit juste ne retombe pas. Je dis ouais. Et je fais Plumelec et Bouc de l'Aune. Plumelec, je sais plus, je roule, ça va, j'étais content de mes sensations. Je fais l'équipier, quoi. Et après, je crois que je bâche à 2 temps de l'arrivée.
Le lendemain, Book de Lone, j'arrive pour un top 15. Une course méga dure à avoir, à m'être accroché toute la course. Et je retombe à 2 km de l'arrivée, encore des mecs qui s'accrochent devant moi dans l'approche du sprint, tu vois. Enfin, et je me recasse trois côtes, tu vois. Et en fait, c'est là, tu te dis, putain, mais enfin, tu dis, en fait, tout ça pour ça, quoi, tu vois. Encore à côté de ça, tu gagnes beaucoup d'argent ou machin, tu vois. Mais là, même pas, quoi. T'as à Roubaix, tu gagnes pas beaucoup d'argent. Oui, t'as un salaire de Conti. Comment ? T'as un salaire de Conti, oui, du coup, c'est pas... Ouais, de Conti, ouais. Et tu gagnes pas beaucoup d'argent, tu... T'as pas de plaisir sur des courses à jouer la gagne. Au bout d'un moment, ça devient une contrainte. Et en fait, je l'ai vécu comme ça sur la fin de mon année. Je l'ai vécu comme ça. Et à un moment, j'ai pété une pile en fait. D'un coup, je suis rentré de. J'avais fait stage Tour de l'Ain. Et là, j'étais au Tour du Limousin. Et on était 3 jours avant le Tour du Limousin, on était à l'hôtel, je me faisais chier comme un rat mort, j'étais pas bien, j'avais envie de rentrer chez moi et tout, j'en avais marre en fait. Et Tour du Limousin en plus, c'est une course méga dure. Première étape du Limousin, en fait j'ai pris le départ, mais je savais que j'avais pas terminé la course et je savais que j'allais arrêter le vélo. Ça m'a pris d'un coup comme ça, j'avais plus envie quoi. Mais j'avais pas plus envie, juste un caprice. J'étais plus capable. Parce qu'après, j'essayais de me remotiver. Je suis rentré chez moi, j'essayais de me remotiver. Et juste à l'idée d'aller m'entraîner, tout ça, j'étais pas bien, quoi. Enfin, vraiment, j'étais à bout de nerfs. Je sais pas, j'ai fait comme un burn-out, hein, je pense. Hein, parce qu'après, j'ai vu d'autres coureurs qui décrivaient des trucs comme ça. Et je me dis, ah, mais moi, je me sentais pareil. Mais sauf qu'à l'époque, on pouvait pas trop en parler, tout ça. C'était un peu mal vu. Quoi. Ouais, c'était mal vu. Et du coup, j'avais pas dit la vérité. J'avais inventé une connerie pour pas finir la saison. Et ça s'est fini comme ça, quoi. Mais sans regret, parce que j'avais été au bout de mon truc. Et je sais que dans tous les cas, j'aurais pas eu les moyens d'être le coureur que j'aurais eu envie d'être. Et pour que ça en vaille le coup, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que c'est important, je trouve, cette notion de sacrifice que tu évoques, parce que c'est vrai que parfois, bon, moi le premier, hein, je suis un peu dur sur le dopage, les trucs comme ça, mais malgré tout, il faut reconnaître que la vie de coureur cycliste, c'est des sacrifices de fou furieux. Moi, j'avoue que j'avais qu'une idée, c'était sortir quand j'étais jeune, même si j'en avais eu les capacités. Jamais de la vie, j'aurais été capable de faire tout ça. Et quoi qu'il se passe, toi ou d'autres, Félix, c'est quand même une adolescence, une vie de sacrifice énorme, quoi. Ouais, c'est clair. Après, sur le moment, tu ne le ressens pas du tout comme ça, parce que comme, du coup, avant mes 23 ans, je sortais que pendant la coupure l'hiver. Et après j'avais tellement envie de reprendre tout ça, c'était pas, je me privais pas. Mais après quand j'ai arrêté, que j'ai commencé à travailler, etc., et à avoir une vie plus normale et à renouer que les copains de lycée, etc., et ben c'est vrai que quand il a fallu se remettre au triathlon pour retrouver un niveau et une exigence, j'ai jamais retrouvé le sérieux que j'avais quand j'étais cycliste. Tu vois, pourtant j'étais sérieux, je m'entraînais dur, tout ça, mais sur les sorties, sur le côté privation, même sur la bouffe, j'ai jamais retrouvé le même niveau d'exigence que quand j'étais cycliste. Ça m'a pas empêché de bien marcher, mais ce qu'il y a, c'est que j'étais dans une bulle où t'as connu que ça toute ta vie, et c'est ton rêve, et du coup, tu te poses même pas la question, en fait. T'as l'impression que c'est les autres qui ont une vie de merde. Toi, t'as une vie top. Mais une fois que t'as goûté la vie des autres, du coup, c'est plus. Mais une fois que t'as goûté à sortir tout ça, c'est plus dur de revenir en arrière. Ouais. Mais... C'est une drôle d'existence, hein, quand t'es, quand t'as une vie de d'athlète comme ça, très très dévoué à son sport, c'est sûr que c'est spécial. Mais je l'ai jamais, à l'époque où je le faisais, je le vivais pas du tout comme un sacrifice. Au contraire, j'avais l'impression je le vivais comme j'avais l'impression d'avoir une vie qui avait du sens, tu vois, plus de sens que si t'étais sorti tous les week-ends à faire la fête, quoi. Ouais, voilà, et à être étudiant, et à... la grande majorité des gens, quoi. Là, t'as l'impression de faire quelque chose quand même à part. Et du coup, ça, tu te retrouves un peu dans ça, quoi. Tu te dis que ça vaut le coup, et voilà, quoi. Tiens, il me reste deux questions, parce que je vois qu'il est déjà 7h30, je t'avais dit 1h en plus. Ouais, t'inquiète. Reggio Tour Junior, je dirais pas que c'est ta plus belle victoire, hein, loin de là, mais...
c'est assez rigolo quand on regarde un petit peu les mecs derrière toi. Je pense que tu t'en souviens, il y a Van Der Poel, mais il y a Benoît, il y a Graf Andersen, il y a Ewan, mais il y a Quentin aussi, je vois Bauhaus. Enfin, quand on regarde ça, est-ce qu'on n'est pas un peu fier quand même? Ouais, si, ce jour-là, je sentais pas les pédales. Et c'est une des, enfin c'est après le championnat de France, c'est ma victoire qui me laisse les meilleurs souvenirs, je pense, parce que bah voilà, le podium avec Van. Vraiment, ce jour-là, je me sentais super fort. Et bah, pour la petite anecdote, hein, maintenant ça y est, il y a prescription. Je disais Quentin, c'est un de mes trois meilleurs potes depuis qu'on est tout petit. Et ben sur le Regio Tour, il était leader. On faisait chambre ensemble. Et ce jour-là, quand j'ai gagné, on s'est pris la tête. On s'est pas parlé de la soirée parce que bah l'ego des petits juniors qui veulent tous les deux leur part du gâteau, quoi. Et il avait mal pris le fait que j'ai gagné. Et du coup, on s'était pas adressé la parole de la soirée. C'était un peu spécial, ouais. En fait, j'avais gagné, mais pas super ambiance en équipe de France ce jour-là. Oui, parce que j'imagine qu'il y a forcément de la concurrence à cet âge-là. Puis Quentin, s'il est sur le chat, peut-être que ça le fera marrer aussi, j'imagine. Non, mais je lui dirai après que je l'ai balancé. Tu pourras lui dire. C'est pas très grave, je pense, comme tu dis, à prescription. Tiens, la dernière question, pour vraiment pas te retenir trop longtemps. Une question de maths, c'est intéressant, parce que bah, forcément, derrière chaque pro, il y a des clubs amateurs. Comment tu vois un peu l'évolution du cyclisme amateur en France, les DN qui sont certaines en grande, grande difficulté? Bah ouais, c'est clair que c'est compliqué parce que avec toute ce vivier des espoirs qui se professionnalise avec toutes les contis, les DN qui avant étaient l'antichambre des pros le sont plus du tout ou très peu. Et du coup forcément ça la DN de maintenant, j'ai envie de dire c'est un peu la DN de d'avant, quoi. Donc, j'imagine que c'est compliqué. Ils sont invités à moins de courses parce qu'il y a moins de place sur les grosses courses, du coup, avec les Conti, etc. Mais après, je suis plus dans le milieu amateur, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a, comme à mon époque, voire même plus, il y a encore plus de coureurs qui, plus vieux, font du vélo en amateur et vivent du vélo amateur. Donc je sais pas trop. Quel est exactement l'état des DN, mais ce que je constate, c'est que je vois pas mal de coureurs qui ont 25, 26, 27 ans, qui arrivent à vivre du vélo. Alors, ils ne roulent pas sur l'or, mais qui arrivent à vivre du vélo en étant amateur. Donc, c'est plus dans la quête de passer pro, parce que pour la plupart, c'est impossible. Mais par contre, en écumant le circuit amateur comme ça et en étant un cycliste amateur à plein temps, ils arrivent à vivoter. Et à mon époque, c'était pas vraiment le cas, hein. Franchement, à part parlais de Quentin, meilleur. Quentin est retourné chez les amateurs, d'ailleurs, c'est vrai que ouais, mais après, lui, c'est pas du tout dans la même optique, hein. Lui, c'est juste plaisir. Il fait des coursettes, il fait des courses dans la région, mais il veut pas, il veut zéro contrainte. Il explose tout vraiment... le monde quand il est motivé, en plus. c'est ça. Il s'entraîne 10 heures par semaine. Il fait vraiment, bah maintenant, il a sa vie de famille, tout ça, puis il a d'autres projets. Il aimerait aussi devenir pompier professionnel. Du coup, il est en train de préparer tout ça. Et puis, non, le vélo, c'est terminé pour lui à haut niveau. Donc, ça n'a rien à voir. Mais par contre, lui-même, parce que j'en parle avec lui, je lui disais, mais un tel, il fait quoi du coup? Il me dit, bah, du vélo. Et je dis, un tel, il fait quoi à côté? Bah, rien que du vélo. Et du coup, c'est vrai que. C'est plus les mêmes, ça a plus la même vocation qu'avant, mais pourtant il y a encore quand même pas mal de coureurs en amateur qui font que ça, etc. Même en sachant qu'ils passeront pas pro, donc le circuit amateur il a beaucoup changé. Tu vois, ou même Johan Lebon qui était retourné chez les amateurs, qui a quand même. Ouais, c'est ça. Enfin, mais comme je suis plus dedans, voilà, je saurais pas dire. T'as encore des liens avec les coureurs amateurs, Félix, à part Quentin? Non, en amateur, je connais plus grand monde, hein, bah, parce que les amateurs de maintenant, c'est des mecs qui étaient plus jeunes que moi pour la plupart, hein, du coup. Donc, non, en amateur, j'avoue que
Je suis plus rien en amateur. Franchement, plus rien du tout. Enfin, si, j'avais vu le France à Cassel, là, parce que j'étais avec France Bleu Nord. Et j'avais vu Goujard perdre son numéro, là. Et, lui, c'est un sacré phénomène aussi, pour l'avoir côtoyé en junior. Mais sinon, non, franchement, je suis rien, rien, rien. Mais ce que je veux dire, c'est que même si c'est plus l'antichambre des pros, tu peux vivoter, quoi. J'ai l'impression qu'il y a toujours autant de coureurs qu'avant et autant d'équipes. Et même si c'est moins prestigieux, entre guillemets, d'être en DN1 aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est pas là que tu vas. Ça va être compliqué de passer pro en sortant d'une DN1, du moins, ça va être compliqué de passer en World Tour, même s'il y a quelques contre-exemples. Ça a plus la même vocation, en fait, c'est ça. Il y a quand même. Ça trouve quand même son intérêt, quoi. Et ils arrivent encore à survivre. Mais ouais, c'est vrai que j'ai peur que dans le temps, si de plus en plus de courses ferment leurs portes aux équipes de DNA, forcément, les équipes auront du mal à faire entrer de l'argent. Parce que bon, expliquer à un sponsor qu'on ne fait plus de classe 2 et qu'on ne fait plus que des toutes catégories dans la région, j'imagine que ce n'est pas idéal. Ouais, puis tu as l'impression, peut-être que je me trompe, que maintenant les projets qui veulent perdurer, ils cherchent quelques centaines de milliers d'euros en plus pour passer en Conti, tu vois, comme Nantes, comme Nice. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs clubs qui sont montés Conti. Alors ça, c'est pareil. Après, si à un moment il y a trop de Conti, qui dit beaucoup de Conti dit il y aura des Conti qui seront. Enfin, la Conti va perdre sa valeur aussi et ça va être aussi. Ça décale un peu le problème, quoi. Mais c'est vrai que moi, à mon époque, c'était plus simple. Il n'y avait que deux équipes Conti en France. Oui, Roubaix et puis. C'était Aubert-Roubaix. Ouais, c'était Aubert-Roubaix. Et ça faisait moins de place pour passer pro, mais on va dire, du coup, c'était un peu plus lisible, quoi. Alors que là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup et du coup. Sans donner de nom, hein, mais là, c'est vrai que j'ai deux collègues qui se passent dans une Conti. Je suis curieux de voir, quoi, parce que d'ailleurs, Quentin, il pouvait aller là-bas aussi. On lui avait dit, ouais, autant de salaire de ça. Il m'a dit, mais moi, j'y crois pas à ces trucs-là. Du coup, il n'y a pas été, puis ça ne l'intéressait pas. Mais ouais, en fait, quand il y a beaucoup d'équipes comme ça, c'est un peu. Les trucs que tu dénonces sur Twitter aussi, hein, c'est des équipes après qui. C'est marrant parce que je dirais pas non plus, mais je pense savoir de quoi tu parles. En plus. Ouais. t'es pro, mais dans quelles conditions, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est vrai que quand il y a beaucoup de Conti comme ça, beaucoup d'équipes qui veulent passer Conti, etc. Enfin, faut que ça suive derrière parce que sinon après c'est les coureurs qui sont pénalisés quand tu t'engages quelque part. Des fois, vaut mieux. Penser que tu passes pas pro et du coup réfléchir ton avenir en conséquence que penser que tu passes pro pour que après 6 mois on te paye plus ou on te fasse plus faire de course, même si on te paye, on te fait plus faire de course parce que l'équipe ne fait plus de course, etc. Ouais, c'est pas génial, quoi. Pour finir là-dessus, ce qu'on expliquait un petit peu avec BNB, et c'est vrai que tu parles de Quentin, je pense que tu sais 10 fois mieux que moi ce qu'il a vécu. Et sans le citer lui forcément, il y a des coureurs derrière la fin de l'équipe ou l'arrêt brutal, il y a des crédits, tu peux avoir une maison en cours, tu peux avoir une maison, oui, carrément. Et on oublie ça, on se dit c'est juste ils n'ont plus d'équipe, non, enfin c'est la vie comme tout le monde en fait. Non, c'est compliqué. En plus, ouais, BNB c'était encore autre chose parce que là ils ont été prévenus tellement tard que ouais, ça les a laissés tous sans solution de repli, mais même pas que les coureurs, hein, même le staff. Il y a Jimmy Turgis qui a retrouvé une place d'entraîneur chez Arkea. Pendant un an, Jimmy, il a vécu des coureurs qu'il avait en bonus, on va dire, du fait que comme c'est un entraîneur qui a sa petite réputation, tout ça, il s'est refait une clientèle assez quand même, enfin qui lui a permis de voilà, mais du jour au lendemain. Il avait plus rien, quoi. Donc ouais, c'est sûr que le fait qu'il y ait plus d'équipes qui passent Conti, tout ça, moi je suis pas forcément c'est peut-être parce que j'ai connu l'époque où c'était comme ça, mais à l'époque quand c'était il y avait autant d'équipes de DN,
Et puis après, voilà, quand tu passais en continent, entre guillemets, ça voulait dire quelque chose, quoi. C'était des équipes sûres, on va dire, et avec un programme de course conséquent et sûr. Et voilà, il n'y avait pas de loup, quoi. Alors que là, ouais, dernièrement, enfin, je regarde ça de loin, mais je vois que ouais, il y a des équipes Conti où ça a l'air un peu bancal, quoi. Et pour moi, pour faire ça, autant rien faire, quoi. Autant rester amateur. Il faut protéger les coureurs, je pense que c'est ça le point central. Bah oui. Du truc. Tiens, un dernier commentaire, je pense qu'il va te faire plaisir. C'est Galoup qui nous dit, rien que pour faire plaisir à Félix, j'espère que Remco va gagner le tour. C'est pas mal, ça. Ah ouais, c'est gentil, ouais. C'est gentil. On verra. C'est vrai que ça me ferait plaisir. Ouais. Bon, du coup, je vais le souhaiter aussi. Comme ça, on est deux à souhaiter la victoire de Remco. Il me reste à te remercier, Félix. C'est vrai que c'est passé super vite. Ça fait quasiment 2 heures qu'on est en direct. Ouais, ouais, je suis un moulin à parole. C'est comme ça. Moi, j'ai tendance à relancer la machine en plus, donc c'est ça le problème. Bref, grand merci Félix, merci à tous. Et puis, avec plaisir. Il nous reste à vous souhaiter une excellente soirée et on se dit rendez-vous très vite. Ciao. Bonne soirée. Salut.